Soutenir un média qui naît, c'est toujours important parce que ça fait partie de la démocratie en France et de ce qui nous permet de lutter contre toutes les formes de totalitarisme, dont le principal actuellement, c'est l'argent et c'est des actionnaires. J'espère que ce média va être nouveau dans son fonctionnement, avec une véritable société des rédacteurs, un climat coopératif, une société coopérative. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de la démarche par rapport à des journaux qui sont tenus par des grands financiers. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, le contenu. Il faut que ça soit un média qui parle véritablement aux gens de leur quotidien, qui ait des débats de fond, un traitement de fond, parce qu'on manque de fond maintenant, on manque d'analyse. Et bien sûr, sur les priorités qu'on a actuellement, pour moi, c'est la défense de la laïcité. C'est bien entendu le combat sur l'écologie, mais que ce ne soit pas l'écologie simplement de la défense de la nature, c'est l'écologie des systèmes. Comment finalement on va faire renaître des forêts, comment finalement on va avoir et on va se battre pour avoir de l'eau de qualité, parce que pour moi c'est vraiment l'essentiel et c'est même un enjeu de géopolitique. Et puis bien sûr, il y a ce débat qui est très important, c'est la place de la démocratie en France. Comment on créera la 6e République, parce que de toute façon, il en faudra une.